Bonjour, je m'appelle Marie-Agathe Charpagne, j'ai 23 ans et je travaille sur le forgeage d'un nouveau superalliage à base nickel au CMFU ParisTech en première année. Mon sujet de thèse concerne le forgeage des disques de turbines basse pression dans les moteurs d'avion. J'étudie le comportement à chaud d'un nouvel alliage base nickel pour cette application. Pour l'entreprise Snecma, par une approche expérimentale qui consiste à effectuer des tests de déformation à chaud. Et je caractérise ensuite les microstructures obtenues par différentes techniques de microscopie, dont la microscopie à balayage. Dans le cadre du contrat CIFRE et dans le cadre de cette thèse plus spécifiquement, je suis amenée à faire des comptes rendus très régulièrement pour mon industriel, et notamment renvoyer des résultats au cours de réunions quasi mensuelles. Et je travaille vraiment en très grande interaction avec eux, avec le centre R&D et forgeage de Snecma, notamment en ce qui concerne les campagnes d'essai. Nous travaillons dans la même direction et de manière très suivie. Les résultats de ma thèse sont intégrés assez rapidement dans les procédés de forgeage qui sont employés à la chaîne industrielle. Dans cette thèse, ce qui me plaît particulièrement, c'est l'aspect expérimental. Le fait de pratiquer la microscopie, la préparation d'échantillons, est un domaine qui est tout à fait intéressant et dans lequel je m'épanouis vraiment. Travailler pour une application pour l'aéronautique, c'est quand même un gros challenge et pour moi, c'est la plus grande motivation pour cette thèse. Pour premièrement le prestige qui est lié à l'école, puisque tout le monde connaît le rayonnement de l'école des mines. Donc pour moi c'est un établissement que je connaissais déjà au niveau scientifique et qui a une très très bonne image. Et en effet on a un très bon encadrement ici, on a à la fois beaucoup de liberté mais on est en même temps encadré, dirigé dans nos travaux. On a une très très bonne interaction entre tous les doctorants. Donc il y a une entraide qui est réelle, on s'entraide les uns les autres, notamment en ce qui concerne la partie expérimentale. Je suis originaire du Berry, en région centre, et j'ai effectué mes classes préparatoires à Clermont-Ferrand, et j'ai ensuite intégré l'école des mines sur concours, l'école des mines de Saint-Étienne. Et c'est comme ça que j'ai connu la maison des mines, qui est une très bonne maison. Suite à la première année, j'ai un certain nombre de résultats qui me permettent de m'orienter vers de nouveaux plans d'expérience et j'espère publier très bientôt et présenter mes résultats lors de conférences. Pour un avenir plus lointain, mon projet serait de rester dans le domaine de l'aéronautique, dans un des grands groupes comme Snecma.